Bonjour tout le monde, c'est Damzou, Prison Architect, etc. On lance la partie. Alors, je vais mettre des bâtiments de psy. Les bureaux, c'est des 4-4. On va planifier. 4. Il faut 6 pour faire ça là. 4. On verra quand même s'assurer que les bureaux c'est bien des 4-4. 5 c'est pareil. Ouais, allez, encore un. Ah, ça fera plein de nouveaux psychiatres qui vont travailler pour nous. Pièces. Les bureaux, ce sont des combien? C'est des 4-4, c'est parfait. Vous me faites travailler dans tout ça. Derrière, vous me mettrez des portes. Ici, ici, ici. Ici et ici. Les demandes de conditionnel, ça explose pas. Putain, 530! Mais les mecs, arrêtez d'ouvrir les portes. Là, on est plein. Je peux plus accepter de prisonniers. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai plus de place. C'est la bonne question. Vous les mettez où, les autres? L'admission, elle est pleine à craquer. Ils sont 30 en admission. Fait beaucoup là. Il va falloir que je fasse un nouveau bloc de cellules, je pense. Me faire une nouvelle cour aussi. Bon, déjà, j'ai dit que je commençais par faire mes psychiatres. Mes psychologues. Il me faut aussi un nouveau chenil. Ouais, en fait, je vais faire ici une armurerie et un chenil. Enfin, dès que mes mecs auront bossé, parce que évidemment, je ne sais pas ce qu'ils foutent à cette heure-ci. Les ouvriers, vous foutez quoi précisément? Là, il y a un rush de gardiens, là, je sais pas où est-ce qu'ils vont. C'est toujours très mal entretenu ici. Bon, là, on remarque qu'ils sont tout nus, c'est normal, c'est la douche. Pour une fois qu'ils sont tout nus au bon endroit, je vais rien leur en dire. 540. Les mecs, vous avez compris qu'on était plein là? J'ai 80 prisonniers d'avance. Ça me semble un peu beaucoup. Quand je dis un peu, c'est un peu quoi. Eh bah pas trop tôt quoi. Mur en béton. Objet, les bureaux. Allez, pour changer, on va mettre les bureaux de ce côté-là. Dans la vie, faut... Ok, il n'y en a aucun qui s'est validé quand j'ai cliqué. Non, j'en ai voulu un seul, mais c'est pas grave, hein. Les classeurs, on va les caser. Allez, dans ce sens-là, là-haut. Oh, punaise. Ça, c'est de l'innovation. Ça, c'est des choses que j'ai jamais fait, quoi. La chaise. Enfin, quand on fait des bureaux de psychologues, ce serait pas mieux de mettre deux chaises, histoire que le patient puisse aussi s'asseoir. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, mais... Ça me semblait pas con comme idée, non? Les bureaux. Après l'électricité. Ah, je crois que le jeu arrive vraiment plus. Alors que mon ordinateur commence vraiment à galérer dans la gestion du jeu là. À moins que ce soit le fait que ça soit tout le temps en vitesse max, il supporte pas. Détecteur de métaux. Hein. Ah, il y a un DC. Bah évidemment, hein, il m'en fallait bien un. Ah, et voilà, salle commune, les gens sont tout nus. Pour changer quoi, franchement. Et en plus, tout nu, ils vont tous se suicider entre eux. Deux gardiens de plus. Ouais, on va vraiment passer à 300 gardiens.
8 décès, c'est pas mal quoi les mecs. Je pense que vous avez tué tout le monde là. Si vous trouvez des survivants, c'est pas mal. Mais regardez-moi cette horreur quoi, c'est d'une monstruosité monstrueuse. 10 prisonniers ne peuvent pas se voir attribuer de cellules. Vous foutez de ma gueule ou quoi? J'en ai 50 de trop. Deux, trois. Je sais pas où vous vous êtes barrés les psychologues, mais en tout cas, vous vous êtes barrés à une vitesse incroyable. Les employés de ménage, ils sont en surpopulation normalement aussi. Ah, il faudrait aussi encore une salle de repos. Mettez l'électricité, mettez tout ce que vous pouvez mettre. Hein. Ne me dites pas que j'ai perdu des psychologues en fait. Ils sont partis où mes psychologues là? Ouais, puis ici, de toute façon, il me manque des détecteurs de métaux ici aussi. J'ai dit que j'en mettais partout, je vais en mettre partout. Même ici. Surtout les mecs, hein, on ne se reproduit pas entre vous. Hein. C'est pas parce que vous êtes dans des bureaux isolés qu'il faut croire que c'est la fête. Hein. Tout ce que j'espère, c'est que ce générateur va tenir ce que je lui ai rajouté. 300 gardiens. Mes prisonniers se reproduisent entre eux, c'est pas possible là. Je suis passé à 560 prisonniers. Moi, je me pose la question, ils viennent d'où mes prisonniers là? Le niveau truc, niveau électricité, c'est un bordel monstre. Ah, ça y est, ils se retapent dessus ici. Quoique du coup peut-être une infirmerie, hein, parce que je ne dois pas avoir loin de 500 morts sur les doigts là. Je vais faire la même chose ici. Je suis pas rassuré sinon. Je les vois bien capables de s'entretuer pour un rien. Une récompense, libération de prison. Attendez, mais j'ai embauché des psychiatres, ils sont partis où? Les snipers. Ça m'intéresse des snipers. Je vais vous en mettre partout des snipers, vous allez comprendre. En fait, ah! C'est bien ce que je pensais, ça a pété. Alors, est-ce que tout avait été branché? Quasiment tout avait été branché. Bon. Je vais en démonter quelques. Démonter. 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 Je vais les installer autrement plutôt. Tomber en panne. Non, pas renvoyer. Mec, je suis désolé, quoi, mais c'est pas de ma faute. Je voulais pas te virer, promis. Allez, vous me démontez tout ça. Bon, il faut que j'arrête d'en engager aussi. Encore une fois, où sont mes ouvriers? Ça, c'est pas un classeur, peut-être. Tu me prends pour un con, quoi, là.
Mais sincèrement, qui a programmé ce... Le mec a programmé ce jeu, il l'a fait avec les pieds. Il l'a pas fait avec la main. Pareil, là c'est pas assez précis. Faudrait vraiment qu'on nous donne quelque chose de plus précis quand on clique là. Parce que là, j'ai aucune idée de savoir qu'est-ce que je peux rajouter précisément. Je trouve ça mal fait. Lui, je trouve qu'il devient un peu vert. Je suis un peu inquiet pour lui. Bon, démontez-moi ce classeur. Et vous allez m'en remettre un. Parce qu'apparemment, vous êtes des boulets. Bon, il veut le caser ici, le classeur. Déploiement, il n'y en a pas ici. Voilà, il y en a un maintenant. Donc, je voulais aller dans programme. Le truc anti-alcool, il est où? Pas de formateur. Pas de formateur, mais vous déconnez ou quoi là? Ça, c'est dans l'infirmerie que ça se passe. Celle-là. Voilà. Et ensuite, la thérapie comportementale. Dépêchez-vous de me réactiver ce bureau-là, que je suis tranquille. J'en ai trop déjà. Un, deux, trois, quatre. Pièce, bureau. Ah bah évidemment, voilà, si la moitié est pas faite, ça sert à rien. Allez, le jeu, tu vas tilter. T'as tilté, bravo. Bon, bah, vous allez voir. C'est juste qu'en fait, ici, il n'y a pas de psychologue. Voilà, maintenant, je peux reprendre. Encore. Encore. Voilà. Là, il y a beaucoup de thérapie comportementale. T'as 600 prisonniers, non mais. Je vous jure que le mec a codé ce jeu, il l'a fait avec les pieds, c'est pas possible. Hop. Ici, on va faire une jolie salle de repos. Pour le personnel, hop, et exclusivement le personnel. La nourriture, on vient de faire la première heure, on a même pas fait la moitié en une heure. Là, ça bug, c'est joli. De toute façon, ça bug tout le temps. Là pourtant il reste de la nourriture donc je comprends pas. S'ils ont faim ils peuvent manger. Je crois qu'ils se sont tous mis dans les mauvais endroits comme d'habitude. Et c'est peut-être 60% par rapport à 600. Donc évidemment ce qui est un peu faux. Les fonds arrivent bientôt, tout on va y croire. La nouvelle salle de repos va faire du bien. La buanderie est censée tourner à plein régime. Ok, salle menu principale. Non, évaluation de la prison. Je pense que ma prison, sincèrement, c'est de la merde. Je me le cache pas. Ça, je vais le mettre.
Développer le couloir de la mort, paradis fiscal. Voilà. J'ai fait un peu d'investissement. Voir le rapport d'admission. Mais de toute façon, mec, faut arrêter de me faire venir des gens. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Eh mais. Toi, t'es un pas vide. Et tu te plains de quoi, sincèrement? Ah, ok, tu te plains de vous, mec, vous voulez de la drogue. Mais vous aurez pas de drogue, les mecs. Ce club de nudistes ici, sincèrement, mais. J'en peux plus. Attendez, là, il y a un souci, là. Pourquoi est-ce qu'il y a un truc ici? Je veux rien, là, moi. Vous êtes sur la, vous êtes sur la route. Mur en brique, vous m'en mettez un là. Mur en brique, vous m'en mettez un là. Et vous me démolissez. Et vous me démolissez tout ça. Ainsi que ça. La porte qui est là, vous me la démontez. Ah bah du coup, là, les mecs, ils sont tellement manifestés pour la drogue qu'ils sont tous morts. Ah, ils m'ont même pété le truc, bande d'enfoirés. Toi, allez, amène l'électricité ici. Ça nous fera du bien. Arranger les fils, connecter. Ça, je sens que c'est un bordel. Les écoutes téléphoniques, le contrôle des portes, circuit servomoteur. Je veux même pas savoir c'est quoi ça, c'est tellement ça. Ça m'a l'air compliqué à gérer. Vous avez compris que je vous avais demandé de démolir des murs, hein? Ah, j'ai mon mort habituel, évidemment. Ah, du coup, ici, je vais devoir me faire une. Je vais me faire un gros bloc. Que de toute façon, j'ai pas le choix. Si je fais pas un bloc, j'aurai toujours des chiffres qui m'ont l'air très cons. Salle du personnel. Vous savez que cette porte-là, je suis sûr que j'ai demandé qu'on la démonte. Et sincèrement, avec la quantité que vous êtes, ah bah. Ils veulent pas la démonter, par contre ils veulent bien la supprimer. Bah sincèrement, si ça vous fait plaisir, faites-vous plaisir. Des canapés. Alors les mecs, je sais que vous êtes sincèrement très fatigués. Mais attendez au moins un peu que j'ai commencé à meubler. Parce que sinon c'est une pièce vide. Je sais pas. Allez, 3 morts de plus. Vous aussi, vous voulez, je sais pas moi, des. Peut-être des billards. Voilà. Alors ici, c'est distributeur de boissons à gogo. Voilà. Vous pourrez vous reposer avec des billards en plus. Je vais même vous mettre un peu de télé. Allez, même vous mettre du télé, des téléphones, on sait jamais. Si je les trouve. Je vais trouver le téléphone. Bon, allez, de toute façon, là, sincèrement, la flemme. Là, avec ce que je viens de mettre là. C'est plus une salle de personnel, là. C'est une salle. C'est une salle des fêtes ce que j'ai créé. Hop là, juste entre les deux télés. Comme ça, vous faites bien chier ceux qui regardent la télé.
Les infirmeries, je crois qu'elles sont en, comme d'habitude, surdéployées. Alors, ce que je vais faire, là, c'est faire le The quartier où vous êtes prisonnier. Non, je pense que le coût du 10, c'était peut-être un peu trop. On va se limiter à 8. Donc, si on se limite à 8 prisonniers. Non, pas dans ce sens-là déjà. Ça fait 2. Hop. Voilà. Avec ça, on va mettre 4 toilettes, ça me semble très bien. On va mettre 2 bandes muscu. De bibliothèque, une télévision. Ouais, le but, de toute façon, c'était de tout mettre au hasard. Une chaise et une radio. Ouais, bon, ouais, j'ai la flemme. Développe-moi le dupliqué. Développe-moi ça aussi. J'ai vraiment la flemme de gérer ça une par une. La radio aussi. Dès que j'ai trouvé, je crois que c'est poste de radio. Ça s'appelle comment ce machin déjà, bordel? Non, radio tout court en fait. Voilà. Donc faudrait partir d'ici jusque là et mettre une cellule de prison, une porte de prison ici. Et si on peut, on va tout dupliquer. Je vais le dupliquer 40 fois, ce sera réglé. Je sais pas pourquoi ça continue de monter. Hein. Les mecs, ils ont envie. Ils se tapent des délires tout seuls. Alors, service. Je crois que ça fait longtemps qu'ils sont arrêtés. Et ben, ils vont repartir de plus belle. Ils vont même se relier ici. Ça fera en. Ils vont pas se relier ici, je sais. J'ai dit une connerie. Comme ça. Et toi, tu pars comme ça jusqu'en bas. Toi, tu fais ça. L'électricité, faut qu'elle arrive comme ça aussi. Et il va falloir qu'elle fasse ça aussi. Je sais pas pourquoi vous vous regardez. Franchement, on dirait que c'est la première fois que vous voyez quelque chose de votre vie. Oh, des murs, waouh, c'est beau. J'ai 200 prisonniers qui sont pas contents. J'en ai 200 en attente d'isolement. Mais il se passe quoi ici? C'est juste énorme quoi. Ça clignote à peine, on voit que dalle. Mais là, je crois que j'ai ce qu'on appelle de la surpopulation. 9 prisonniers ne peuvent pas avoir de cellules. Moi j'aurais dit environ 45 000, mais c'est pas grave. Vous étiez pas loin. Ah, j'ai du personnel qui est mort. On va passer à 350. Allez les mecs, vous pouvez le faire.
Trouvez-vous des, je sais pas moi, trouvez-vous des missions, des hobbies, vendez des cartes de jeu, je sais pas moi, vendez de la télé aussi, vous trouverez bien un boulot. C'est pas le travail qui manque ici. Il n'y a pas d'électricité là-dedans, mais est-ce que tu te fous de ma gueule? T'es en train de me dire qu'il n'y a pas d'électricité dans un mur. Ah bah ça y est, j'ai mon mort habituel. En même temps, les mecs qui sont en attente d'isolement, ils n'existent pas. Comment vous voulez que je les mette en isolement s'ils n'existent pas? Les gardiens, est-ce que vous savez que vous avez le droit d'aller jusqu'au bout? Histoire que je sois au courant de ce qui se passe. C'est ça, si c'est con de faire des petites cellules, on voit plus rien après. Je crois que le repas. On peut m'expliquer pourquoi il y avait deux prisonniers chez le psychiatre? Je sais qu'il est con, mais là, il abuse un petit peu, mec. Mais. C'est quand même pas moi qui ai cassé les murs, rassurez-moi. Je suis pas si bête que ça. Quoique je commence à avoir des doutes là. Mec, ils sont 40. Ils sont 40, on a 5 qui bossent, 10 qui regardent. Embaucher du personnel, ça sert vraiment à rien. Le jeu est buggé de tous les côtés. Là, j'ai 66 000 personnes qui sont en attente de je ne sais pas quoi. Toi, t'attends quoi, sérieusement là? Qu'est-ce qu'ils attendent? Me dites pas qu'ils attendent de l'isolement. Tout l'isolement est ouvert. Et c'est vrai que l'isolement est ouvert. Vous avez mis l'électricité? Non. Parce que ici il n'y en a pas et ici il n'y en a pas. Je sais pas pourquoi. Vous aviez pas envie apparemment. À des fois, je sais pas pourquoi. Ils vont sauter des petits trucs. Ils vont dire non, pas là, j'ai pas envie. Pas ce soir. L'administration, le paradis fiscal est en cours, le dupliqué est terminé. On y est presque. Alors. Clic droit. Bon, ok, va pas me faire chier. J'ai compris ton bordel. Tu vas jusqu'en bas, tu me fais ça, je m'en fous moi. Non, tu m'annules cette ligne-là, elle sert à rien. J'ai dit, tu m'annules cette ligne-là. Tu m'allumes. Tu m'annules tout. Oh, c'est pas possible ça. Et tu vas mettre une porte de prison. Juste pour le plaisir qu'il y ait une porte. 1, 2. Il y en a combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici. Voilà, il y aura une porte. Ils vont être contents. Du coup, là, je devrais voir au moins 40 ouvriers arriver au pas de course. Non, mais. 680. Vous savez que là, je sais plus quoi faire là. Non mais sincèrement, c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? J'ai des nudistes, les prisonniers se multiplient entre eux. Je déconne pas, les prisonniers se multiplient entre eux. Donc demain. Je préviens tout de suite, si c'est pas passé quelque chose d'incroyable, ce sera mon dernier épisode de la série, parce que là j'en ai marre. Il y a trop de bugs. Allez, ciao à tous et à demain.